Bonjour, je vous présente aujourd'hui le château Grand-Vincent qui est en Blaye aux Côtes de Bordeaux et qui est signé par le collectif des châteaux solidaires. Derrière chaque château se cache un homme, une femme, un vigneron qui relève un défi personnel. Et ici, le collectif des châteaux solidaires se réunit pour relever ensemble ce défi en s'organisant en coopérative. Le château Grand-Vincent est une propriété familiale depuis 5 générations et c'est un vignoble d'un seul tenant qui est situé sur la commune de Cars, à 40 km au nord-ouest de Bordeaux. Le vignoble est bien exposé. Il est complanté en merlot à 70% et en cabernet à 30%. Les plus vieilles vignes ici peuvent atteindre 50 ans et on dit qu'elles donnent des vins très concentrés avec un beau fruit. Vérifions. Alors, on observe une robe profonde, rubis, avec de très belles jambes sur la paroi du verre. Le nez est expressif. On est sur des fruits noirs. Je retrouve de la mûre, de la myrtille et du cassis. En bouche, c'est un vin ample, gourmand, aromatique. Et je remarque une rondeur tout en harmonie. C'est un vin à déguster sur un magret de canard au mûr ou tout simplement sur des pommes de terre du jardin à la vapeur avec juste une noix de beurre. Et aussi, bien sûr, des fromages à pâte dure. En bonne idée, en suggestion, je pense que ce château Grand-Vincent serait délicieux en dessert sur une coupe de framboise avec juste un nuage de chantilly. La température de service idéale est de 18 degrés et la garde possible de 5 à 8 ans. Voilà, je vous souhaite à votre tour de faire une belle dégustation et de vous forger votre propre opinion selon vos envies. Au revoir!